C'est toi qui l'as tué. C'est vous qui l'avez tué. J'étais à Tirmachnia. Tout le monde le sait. C'est moi qui ai frappé, mais c'est vous qui êtes l'assassin. Souvenez-vous de ce que vous disiez. Il faut détruire l'idée de Dieu dans l'esprit de l'homme. Alors seulement chacun saura qu'il est mortel, sans aucun espoir de résurrection. Et chacun se résignera à la mort avec une fierté tranquille. L'homme s'abstiendra de murmurer contre la brièveté de la vie et il aimera ses frères d'une affection désintéressée. Pensiez-vous que j'étais sourd ? Malheur aux suicidés ! Malheur à ceux qui se détruisent eux-mêmes ! Il ne peut pas y avoir de plus malheureux que... Ils se maudissent eux-mêmes en maudissant Dieu et la vie. Ils sont insatiables au siècle des siècles et repoussent le pardon. Ils maudissent Dieu qui les appelle et voudraient qu'ils s'anéantissent. Lui et toute sa création! Ils ont soif de la mort et du néant. Sa tête. Sa tête? Pour ma campagne de l'homme sauvage. Je ne veux pas faire de publicité, maladie. J'ai déjà entendu ça. Oh! Oh mon Dieu! C'est beau, c'est riche, c'est fort, c'est tellement fort! J'aime mieux dire tout de suite, j'aime beaucoup. C'est un spectacle incontournable. Merci. Il faut absolument que vous fassiez mon émission. Ce spectacle est un must, je dois le dire. Oh, vous, là, vous m'avez fait pleurer du début à la fin. Ce n'est pas un critère. Elle pleure tout le temps. Mais pas du tout. Voyons, c'est tellement impliquant. Ben, vous êtes le plus grand acteur de votre génération. Je le pense. Un acteur redoutable. Mm. Excusez-moi. Lui, c'est un bon comédien. Salut. Salut. Hey, long time, nous aussi. Hein? Long time. Hein? Excusez-moi. Pardon. Je vous verrai tout à l'heure. Allez-vous manger quelque part? Oui, mais pas à l'express. Oui, toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Jésus. Je venais m'inspirer. Jésus? Jésus. Oh,
Monsieur Coulombe. Bonjour, mon père. Venez, je vais vous montrer ça. C'est un spectacle que j'ai monté il y a 35 ans et qu'on a toujours repris ici chaque été. Mais les dernières années, ça marche pas très fort. Le texte est un peu démodé. Il faudrait moderniser tout ça. Non. Première station. Jésus est condamné à mort. Le juste devra mourir. Pourquoi? Parce qu'il est juste et que nous ne sommes pas. Il va porter tous nos meurtres. Tous nos vols. Tous nos adultères. Voyez-le qui fléchit sous le poids de nos péchés. Ils ont choisi le bois le plus lourd. Ils ont choisi le bois le plus dur. Ce sont nos péchés qui rendent sa croix si lourde. Nos péchés. Pauvre agneau sans tache. Est-ce mon orgueil qui t'écrase? C'est Constance Lazur, ça. Vous le connaissez? T'as fini ça en ton conservatoire l'année où je suis entré. Ah bon? Je veux pas vous imposer personne, mais si vous voulez la réengager, ce serait bien. C'est une fille qui a une sensibilité exceptionnelle. J'aime encore mieux servir d'air poétique. Au moins, ça sert à quelque chose. Tu es parti combien de temps? Pas compté. Tu peux pas savoir à quel point c'est devenu pourri. Tout. Est-ce que tu viendrais travailler avec moi? T'habites où, là, maintenant? Ici, là. Tu peux venir chez moi, il y a de la place. OK, c'est bon. Faudrait trouver deux gars et une autre fille. OK. C'est comme le songe d'une nuit d'été, c'était nul. Oh, je sais. Ces acteurs, écoute, on comprend pas un mot de ce qu'ils disent. Ils ont qu'une diction. Ben, c'est toujours comme ça, maintenant. Mais enfin, quand même, la diction, c'est le bas du métier. Qu'est-ce que tu veux de nos jours? Ils font de l'improvisation. OK, stand-by. Oh, Christelle. Ah. Est-ce que tu es douce? Ah, ta langue. Ta langue. Ah, oh, comme ça. Comme ça. Ah, oh, est-ce que c'est bon? Ah, on s'amuse sans moi. Ah, oh, Jenny, je savais pas que tu étais là. C'est mon mari. Il est pas mal. Mieux que ça. Déshabille-toi, mon chéri. Qu'est-ce que tu en dis, ma chère? Quelques, j'aimerais bien y goûter. Ne vous gênez pas, madame. Laisse-moi un peu, Christelle. J'en ai pour deux, mesdames. J'en ai pour deux. Ah, mais c'est mon copain Bert qui arrive. Entre un peu, Bert. Viens voir un peu. Alors, on peut pas continuer, là. Faut attendre que l'autre arrive. On peut pas attendre. Martin, peux-tu faire les deux voix? Je peux bien essayer, là, mais je garantis rien. Oh, Johnny. Ah oui, Johnny, c'est bon. C'est bon, oui. À toi aussi, oui. Ma chérie. À toi aussi, tu es bonne à prendre. Ah, Burt. Tu es tellement dur. Ah, t'aimes ça, hein, ma salope? Ah, dis que t'aimes ça. Hein? Ah, dis-le. Oui. Ah oui, Burt. J'aime ça. J'adore ça. Allez, dis-le que t'aimes ça. Allez, dis-le. Oh oui, Johnny, oh oui. Oui. Prends ça, Léon. Prends ça, prends ça. Ah, tiens, toi aussi, prends ça. Prends ça. Laisse-moi, oui. Laisse-moi, oui. Oui. Je te baise, hein. Je te baise, hein. Oui. Viens. Je te baise, hein. Ah oui. 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 Merde. Je me suis trompé de micro, là, de voix.
C'est pas grave. Ah. Personne ne fait la différence. C'est formidable. Bravo, c'est formidable. Et puis, vous voudriez commencer quand? Maintenant. OK. Allons-y. Ben oui, mais il faut que tu finisses. Il faut s'arranger. Elle a un garçon du même âge, alors on se partage la garde. Enfin, mon Dieu, qu'on est inquiète. Merci. Bienvenue. C'est qui ces deux messieurs-là? Tu les connais pas, toi. Il faut que vous compreniez que la faculté de théologie ici est entièrement financée par l'archevêché. Ce n'est pas comme en Allemagne ou en Hollande. On n'est pas libre de dire n'importe quoi, en tout cas, pas publiquement. Dire quoi, par exemple? Il y a beaucoup de nouvelles découvertes récentes en archéologie, surtout depuis qu'Israël a annexé les nouveaux territoires. Et puis, il y a l'analyse des textes par ordinateur. Ça, c'est fabuleux. Il y a aussi les nouvelles traductions du Talmud. C'est-à-dire, on commence à comprendre qui c'était. Jésus? Oui. Je vous ai polycopié quelques textes. Merci. Mentionnez jamais mon nom, par exemple, s'il vous plaît. Vous pourriez me causer des ennuis sérieux. Vous, vous êtes comédien, vous pouvez dire n'importe quoi. T'es déjà là, toi? Bon. Est-ce que tu veux que je m'en aille? Non. Ben, écoute, sors, hein. On va pas jouer une scène de fédo. Je suis pas un très bon prêtre. Enfin, comme vous voyez, j'ai dû essayer. Mais je viens d'une famille très pauvre et très religieuse. Je te fous du théâtre.
À l'époque, ça paraissait comme une solution. Une façon de s'en sortir, si vous voulez. Enfin, j'ai voyagé régulièrement. J'ai vu les plus grandes mises en scène. Alec Guinness, dans Richard III, au premier acte, avec son couteau. Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this son of York. Gérard Philippe, dans l'organisation. Magique. Et après le théâtre, il allait voir les putains. Les négresses de Harlem. Ben, à cette époque-là, ici, c'était plutôt difficile pour un prêtre. C'est pas tellement plus facile maintenant, je devrais remarquer. À moins d'avoir le courage de laisser tout ça. Je t'ai déjà expliqué. Quoi? Qu'est-ce que vous avez expliqué? Si j'envoyais ma lettre de démission à Rome maintenant, j'aurais droit à une paire de pantalons, à une chemise, un blouson en nylon et $50 cash. C'est tout. Bye bye. Tu pourrais venir t'installer ici. Je me trouve un peu vieux pour dormir par terre dans un sac de couchage. Tu pourrais coucher dans mon lit? Évidemment, ce serait sûrement pas aussi confortable que dans ton bel appartement avec les religieuses pour faire le petit déjeuner et tout et tout. Les petits déjeuners sont pas mal ici. Mm-hmm. Je sais. Je sais. Salut. À bientôt. Mais quoi? Chère Constance. Ah, ça lui donne tellement de plaisir. Puis ça me fait si peu de mal. Il y a un studio en haut. Il est impossible de parler de création du monde ou de début de l'univers. L'esprit humain ne peut concevoir le temps avant le point zéro, cet instant il y a 15 000 millions d'années, où toute la matière observable était condensée dans un diamètre pratiquement nul, à une température pratiquement inconcevable. Le Big Bang. Une explosion d'une puissance inimaginable. 1 million d'années plus tard, la chaleur commence à peine à se dissiper. Je peux pas rentrer ici? Ben oui, ben oui. Mais derrière l'écran. Les étoiles naissent et meurent. Notre soleil est l'une d'entre elles. Nous habitons une planète minuscule, en orbite autour d'une étoile banale, à la périphérie d'une galaxie ordinaire, parmi des milliards d'autres galaxies. Nous ne savons pas si les systèmes planétaires sont nombreux dans l'univers. Si la plupart des étoiles sont accompagnées de quelques planètes, il est probable que d'autres formes de vie, analogues à la nôtre, existent par millions. Par contre, si les systèmes planétaires sont le résultat de quelques processus très exceptionnels de formation d'étoiles, nous pourrions alors être seuls au monde. Dans 5 milliards d'années, notre Soleil aura épuisé son carburant nucléaire. Notre Terre retournera au gaz galactique dont elle a été formée. Mais il y aura déjà longtemps que nous serons disparus. Le monde a commencé sans l'humanité,
Il s'achèvera sans elle. Et à la disparition du dernier esprit sur la Terre, l'univers n'aura même pas senti sur lui le passage d'une ombre furtive. C'est vous qui avez écrit ça? Non. C'est un collage. C'est de la vulgarisation. Ça fait beaucoup de questions sans réponse. Oui, surtout que ça, c'est valable uniquement pour aujourd'hui. Dans 5 ans, ça risque d'être complètement autre chose. René? Excusez-moi. Peux-tu venir? Une seconde. Mais c'est quoi le texte? On va l'écrire. Un texte collectif. T'es pas obligé d'écrire non plus. J'aime ça pouvoir lire le texte avant de me décider. C'est pour ça que je travaille pas beaucoup. Je pense que vous êtes peut-être mieux de vous chercher quelqu'un d'autre. Désolé. Non. Je connais une fille qui serait probablement intéressée, mais... c'est peut-être pas tout à fait le genre que vous cherchez. L'insaisissable légèreté de l'air. Esprit numéro 7. Coupez! Non, c'est pas assez aérien. Il faut que ce soit aérien. Aérien comment, ma chérie? Tu veux qu'on la fasse voler? Non, je sais pas, mais il faut que ce soit comme Kundera. Tu vois, c'est ça, le concept. Kundera, mais Kundera comment? Léger, extrêmement léger. Il n'y a pas de détails techniques. Bon, je suis créative, moi. Pour moi, est-ce que ça allait? C'était parfait, Trésor. C'est juste dommage qu'on puisse pas filmer tes fesses. Oh, Denise. Le chemin de la croix. Et tu vas jouer le rôle de la Sainte Vierge. Give me a break. Mon chou. Il y a 150 filles qui sortent des écoles de théâtre chaque année. Je vois pas le rapport. Tu vois pas? Viens, je vais te le montrer, le rapport. Pour réussir dans la vie, ma petite biche, je te l'ai déjà dit, il faut savoir exactement qui on est. Viens. Regarde. Tu ferais bander un paraplégique. Ton plus grand talent, ma petite puce, ça reste ton cul. T'as toujours pris ça, hein? Mais je te dis ça parce que je t'aime, ma puce! Tu vas te couvrir de ridicule dans cette histoire! Enfin, merde! On peut savoir à quoi tu joues? Je te joue la scène du départ. Regarde bien, ma petite puce, une prise, one take. La première est la bonne. Pas le numéro de la femme forte. T'as pas le talent qu'il faut pour ça. On l'a pas. Par exemple, à l'époque de l'Empire romain, quand un enfant venait au monde et que le père n'était pas heureux de cette naissance-là, pour une raison ou une autre, il allait déposer le bébé dans la rue, sur la place du marché. Et alors? Et ben, le bébé mourait, ou il était ramassé par des marchands d'esclaves. Mais la mère, elle... Ça, on sait pas. Je suis en train de me rendre compte que c'est presque impossible de comprendre. Salut. Salut. Entre. Messieurs, bonsoir. Alors voilà, est-ce que c'est possible d'inclure le monologue d'Hamlet dans le spectacle? C'est pas évident, mais ça se peut toujours. Moi, j'ai toujours voulu dire ça. Mais comme il y a peu de chance maintenant que je puisse... Quelqu'un allait répondre. Bonsoir. Bonsoir.
Vous m'aviez donné l'adresse, alors... voilà. Entre. Ça vous inquiète pas de jouer ça? Pourquoi? C'est une tragédie, c'est dangereux. Ah, dangereux d'être ridicule, hein? Ouais, c'est ça que Verdi me disait. Quand on joue une tragédie, il arrive souvent les malheurs. On dit pas des trucs comme ça, hein? Bon, ça sera, ça sera. Mm-hmm. Whatever will be. The future is not ours to see. Ça sera, ça sera. Cha, cha, cha. Juste un crayon. Oh non, non. T'as pas un denticerne, de la poudre? J'ai rien, je te jure. Oh non, mais je peux pas sortir comme ça. T'as vu la gueule que j'ai? Oh non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible. Je sais pas ce que tu vas faire. Non, mais rigole pas. C'est sérieux, là, c'est sérieux. Non, non, moi, je veux pas ça, non. Non, non. Est-ce qu'elle a les lunettes de la madame? Non, mais la madame, elle a des lunettes pour se cacher. Parce qu'elle est très laide. Regarde, je vais te montrer. Hélène? Marc! Ça, hein? Tu commences à avoir une très mauvaise influence sur ma fille, toi. On va t'envoyer travailler à ta passion. Comment vous raconter cette histoire? La plus célèbre du monde. Non. Un peu moins. Un peu plus la tempérance veloutée. Dans l'ouragan de la passion. D'accord. La plus célèbre du monde. Celle que tout le monde croit connaître, une histoire orientale, lointaine et mystérieuse. L'histoire du prophète juif Yeshua ben Pantera, celui que nous appelons Jésus. Parle-moi. Comment? Parle-moi. Oui, mais c'est difficile comme ça. Je suis pas maquillée, je n'ai pas de costume, je sais pas, j'ai pas l'habitude. L'histoire du prophète juif Yeshua ben Pantera, celui que nous appelons tous Jésus. Les historiens de l'époque, Tacite, Suétone, Pline, Flavius Joseph, le mentionnent en passant. Au détour d'une phrase. Le peu que nous savons de lui nous vient de quelques témoignages recueillis par des disciples un siècle après sa mort. Les disciples sont généralement menteurs. Ils embellissent. On ne sait pas où il est né. On ne sait pas quel âge il avait quand il est mort. Certains ont dit 24 ans, d'autres ont dit 50. Mais on est relativement sûr que le 7 avril de l'an 30, ou le 27 avril de l'an 31, ou le 3 avril de l'an 33, il comparut devant le 5e procurateur de Judée, le chevalier romain Ponce Pilate. De quoi êtes-vous accusé? C'est vous qui le savez. Vous appartenez à une secte. Vous êtes un autre prophète, c'est ça? Vous dites ça de vous-même, ou si d'autres vous l'ont répété. Vous avez parlé d'un royaume que vous voulez établir. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Vous voulez dire une sorte d'Élysée, après la mort.
Vous n'avez pas prêché contre César pour le renversement de l'ordre romain? Non. Alors, qu'est-ce que vous leur racontiez à vos disciples? Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ses amis. Vous ne trouvez pas ça un peu optimiste comme doctrine? À Rome, vous n'auriez pas survécu une semaine. Inoffensif. Cet homme menace l'ordre établi. Je ne peux pas faire condamner tous les exaltés du Moyen-Orient. Il faudrait faire disparaître la moitié de la population. Cet homme a passé sa vie à dire du mal des prêtres. Vous savez, personnellement, j'ai toujours pensé qu'un prêtre était soit un idiot, soit un profiteur, alors. Les prêtres sont du côté de Rome. Vous ne voudriez pas que certains bruits circulent. Tibère Auguste est un empereur soupçonneux. Nous voulons vous aider à gouverner le pays sans problème, mais il faut faire un exemple de temps en temps. Cet homme attire les foules. Il a ses disciples. Qui ne sont pas armés. Il fait des miracles. Il a même provoqué des émeutes au temple. Crucifie-le. Il vaut mieux sacrifier un seul homme de temps en temps. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vos ennemis sont si acharnés. Votre propre famille vous a plus ou moins renié. À Nazareth, vous êtes devenu indésirable. Ici, à Jérusalem, toute la hiérarchie est contre vous. Comment est-ce que vous avez réussi à vous mettre tous ces gens-là à dos en même temps? Ils me haïssent sans raison. Simplement parce que j'ai témoigné de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Je vais vous livrer à mes soldats. Ce sont des brutes, évidemment. On n'en voit pas ici les meilleures légions. Vous allez être flagellés, puis on va vous crucifier. Ça va être un très mauvais moment à passer. Vous n'êtes pas romain, mais essayez d'être courageux. Dites-vous que c'est peut-être un service que je vous rends. Un de nos philosophes disait que dans les maux de la vie, la faculté de se tuer est le plus grand bienfait qu'ait reçu l'homme. Dans quelques heures, vous allez traverser le Styx, la rivière de la mort, d'où personne n'est jamais revenu, sauf Orphée, paraît-il, autrefois. Alors vous verrez bien si votre royaume est sur l'autre rive. Ou si Jupiter Capitolin vous y attend. Ou Athéna, ou le dieu des Germains, ou celui des Francs. Les dieux sont tellement nombreux. Peut-être aussi que cette rivière n'a pas d'autre rive et qu'elle s'abîme dans un trou noir. Enfin, vous serez fixés. Courage. Emmenez-le. Deuxième station, par ici, s'il vous plaît. Suivez le sentier, c'est pas mal plus loin que l'année passée. Notre connaissance de la vie de Jésus est tellement mince que certains ont prétendu qu'il n'avait jamais existé. Le paradoxe, c'est que Jésus n'était pas chrétien, il était juif. Il était circoncis et il observait la loi juive. Il était obsédé par le destin d'Israël. Et comme nous tous, il était convaincu que l'époque dans laquelle il vivait était la plus importante de l'histoire. Et que la fin du monde était imminente. Les plus anciennes mosaïques le représentent comme un jeune homme imberbe. Plus tard, les artistes byzantins lui dessinèrent une barbe. Parce qu'à Byzance, la barbe était un signe de puissance.
Les Juifs reprochaient aux premiers chrétiens de suivre un faux prophète, né du fruit de la fornication. Il appelait Jésus, Yeshu ben Pantera, le fils de Pantera. On vient de découvrir l'ordre de mission de soldats romains transférés de Capharnaüm à la frontière de Germanie, en l'an 6. Ce soldat s'appelait Pantera. Dans toute la tradition juive, on dit toujours d'un homme qu'il est le fils de son père, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant illégitime. Quand Jésus revint dans son village, les habitants s'exclamèrent : « Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Nous avons la mémoire courte. Déjà, nous n'arrivons plus à imaginer comment les gens vivaient et pensaient il y a un siècle à peine. Cette histoire est vieille de 2000 ans. Elle se passe à une époque où les gens croyaient que la Terre était plate et que les étoiles étaient des luminaires suspendues à la voûte du ciel. On croyait aux mauvais esprits, aux démons, aux guérisons miraculeuses, à la résurrection des morts. Tout l'Orient grouillait de prophètes, de charlatans, de magiciens. Judas le Galiléen, Teudas le grand Égyptien, Simon le magicien. Par la puissance de ma pensée, je peux séparer en deux les eaux du Jourdain. À mon commandement, les murailles de Jérusalem vont s'effondrer. L'esprit puissant commande aux lois de la nature. Jésus était un magicien lui aussi. Les gens racontaient qu'il avait passé son enfance en Égypte, patrie de la magie. Ses miracles étaient probablement plus populaires que son enseignement. De peu de foi. Jésus. Guéris-moi. Je te vois. Ne vous tourmentez pas. Personne, en s'inquiétant, ne peut ajouter une heure à la longueur de sa vie. Talita Kum. Lève-toi. Jésus, je suis à toi. Je t'appartiens. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, j'ai péché. Parle-moi, Jésus, mon doux Jésus. Madame, s'il vous plaît, dérangez pas les acteurs. Jésus, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi. Je vous en prie, contrôlez-vous. Jésus, contrôlez-vous. Parle-moi. Parle-moi, Jésus. Bon, voulez-vous bien vous? Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, je t'aime. T'es toute ma vie. Michel. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni comment vous vous habillerez. À chaque jour suffit sa peine. Vivez en paix, les uns avec les autres.
Ne résistez pas aux méchants. À qui veut-vous faire un procès et prendre votre tunique? Laissez-lui aussi votre manteau. Il sera difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car où est votre trésor? Là aussi est votre cœur. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Aimez ceux qui vous veulent du mal. Quand vous recevez à dîner, invitez les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. En vérité, je vous le dis, les prostituées arriveront les premières dans le royaume de Dieu. Ouais. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez. Qui les gens disent-ils que je suis? Certains disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disent que tu es Élie, ou un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et nous pensons que tu es le Christ, le Messie. Ne parlez jamais de moi à personne. Je vous défends de dire que je suis le Christ. Je suis le Fils de l'homme. Je ne vous dis pas de quelle autorité je fais tout ça. Où vas-tu? Tu me suivras plus tard. Fais attention, Jésus! Fais attention! Je les connais, c'est des méchants! Sauve-toi, Jésus! Sauve-toi! Mon Dieu! Jésus, sauve-toi! Sauve-toi, Jésus! Ça suffit, là, madame! Le spectacle est là-bas! Pas ici! Bon, OK, tout le monde. Prochaine station, par là-bas. La flagellation avait pour but d'accélérer la mort. Les crucifixions étaient fréquentes. Il y en avait probablement chaque semaine à Jérusalem. Celle-ci n'avait rien de particulier, un vague charlatan. À cette époque, la vie était courte et brutale. Il devait bien y avoir une petite foule comme ici ce soir. Les exécutions ont toujours été des spectacles populaires. C'est comme pour les accidents sur les autoroutes. Il y a toujours des amateurs. On commença à pratiquer la crucifixion 6 siècles avant Jésus-Christ. C'était un adoucissement des mœurs. Les Assyriens préféraient l'empalement. À Babylone, Darius, le roi de Perse, avait crucifié 3000 opposants à sa couronne. Après le siège de la ville de Tyr, au Liban, 2000 soldats furent crucifiés au bord de la plage. 80 ans avant Jésus, Alexandre Jannée, le roi de Judée, avait crucifié 800 pharisiens. Après la révolte des esclaves menée par Spartacus, 7000 hommes furent crucifiés le long de la voie Appienne entre Rome et Capoue. Les poteaux de la mort étaient plantés en permanence dans les lieux publics. Quintilien recommandait les carrefours achalandés. Il y voyait un excellent encouragement à la moralité publique. La coutume voulait que le condamné porte lui-même la barre transversale de sa croix. On lui offrait du vin mélangé à de la myrrhe. C'était un stupéfiant pour atténuer la douleur.
Et après tout cela, le condamné attendait la mort. Elle était très lente à venir. La plupart des crucifiés vivaient au moins 2 jours. Les plus robustes pouvaient durer jusqu'à 1 semaine. Songez que nous sommes au Moyen-Orient. Une chaleur étouffante. Le soleil, les mouches, les vautours, les chiens errants, les rats. La mort venait par épuisement, par asphyxie à cause des bras levés. Très souvent, les Romains laissaient les cadavres se décomposer sur leur croix. Mais cette coutume répugnait aux Juifs. La crucifixion était un spectacle si effrayant que les premiers chrétiens ne la représentaient jamais. Ce n'est que 5 siècles plus tard que les artistes commencèrent à peindre Jésus en croix. Dernière station, attention à l'escalier, il est assez à pic. L'utilisation des lieux est redoutable. Je suis tellement émue. Mais à part la mini-série, là, est-ce que vous avez d'autres projets? Non, non, rien de signé. On fait ça en silence, s'il vous plaît, on retarde pas le monde. Qu'est-ce que t'as? Rien. Il était mort depuis longtemps. 5 ans, 10 ans peut-être. Les disciples s'étaient dispersés, déçus, amers et désespérés. Mourir. Dormir. Rien d'autre. En finir avec le chagrin et les milliers d'agressions que nos corps doivent subir. Voilà la délivrance que nous souhaitons tous. Mourir. Dormir. Peut-être rêver. Voilà l'ennui. Quand nous serons enfin libérés de ces liens charnels, quels rêves viendront hanter notre sommeil final? Voilà ce qui nous arrête. Cette crainte prolonge la calamité de la vie. Car autrement, qui pourrait supporter les humiliations du temps qui passe? Les torts des oppresseurs, les insultes des vaniteux, les douleurs de l'amour méprisé, les lenteurs de la justice, l'arrogance des fonctionnaires, les injures que font subir aux honnêtes gens les crapules. Qui voudrait supporter le fardeau de gémir et de suer tout le long d'une vie ennuyeuse et pénible si ce n'était de la crainte de quelque chose après la mort? Cette contrée mystérieuse d'où ne revient jamais aucun voyageur, qui nous force à subir des maux que nous connaissons plutôt qu'à nous précipiter vers d'autres,
dont nous ne savons rien. Aucun voyageur sauf un, sauf lui. Enfin, au début, je l'ai pas reconnu, c'était pas exactement lui. Et puis tout d'un coup, j'ai senti que c'était lui. C'était lui qui me parlait. Il était présent, il était là. Je te jure. Je te jure, crois-moi. Vous avez l'air bien triste, vous deux. Nous parlions d'un ami que nous avons perdu autrefois. Un prophète exceptionnel. Tenez. Seigneur, c'est toi! C'est toi. Peu à peu, beaucoup furent convaincus qu'il était là. Son corps avait changé. Personne ne le reconnaissait jamais au départ. Mais ils finissaient tous par croire qu'il était présent au milieu d'eux. À part Pierre et Jean, ce n'étaient même pas les disciples d'autrefois, mais d'autres. Paul le pharisien, Barnabé, Étienne, et puis des étrangers, des Grecs, des Romains. Leur conviction était si profonde qu'ils étaient prêts à mourir pour elle. Ils furent crucifiés à leur tour, décapités, lapidés. Ils demeuraient inébranlables. Jésus avait vaincu la mort et il les attendait dans son royaume. Ils incarnaient l'espoir, le sentiment le plus irrationnel et le plus indéracinable. Le mystère de l'espérance qui rend la vie supportable, perdue dans un univers énigmatique. Il appartient à chacun de juger le moment venu et de choisir les voies du salut. N'interrogez personne d'autre que vous. Il faut se fier à soi-même, avec humilité et courage. Comblez toutes les failles. Toutes les fissures qui existent entre vous et les autres. Aimez, craignez, suppliez. Marchez avec eux. Au fond, notre vie est très simple. Elle ne devient d'une complexité insurmontable que lorsqu'on pense uniquement à soi. De l'instant où on ne pense plus à soi, mais où on se demande comment aider les autres, la vie devient parfaitement simple. Jésus est vivant. Nous l'avons rencontré. Aimez-vous les uns les autres. Cherchez le salut en vous-même. Que la paix soit avec vous et avec votre esprit. C'est tellement fort! Moi, je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup. C'est un spectacle incontournable. Oh, il faut absolument que vous fassiez mon émission. Oh, c'est beau. Mais d'où est-ce que vous sortez, vous deux? Moi, c'est la première fois que je vous vois. Ben, on a joué underground beaucoup. Ah. Et puis, un petit peu de recherche sur des choses alternatives. Oui, mais non. Sortez-en. Avec le talent que vous avez, c'est ça. C'est sûr. Tu me surprends, Mireille. Tu me surprends. Tu n'aurais pas cru, hein? Honnêtement, non. C'est magnifique. Bravo. Merci. C'est bien John Lambert, c'est ça, hein? C'est juste que ça fait drôle de vous voir comme ça en personne. J'espérais qu'on va travailler ensemble un jour.
Oui, certainement. Oh, vous là, vous m'avez fait pleurer. Encore? Mais c'est tellement impliquant. Vous êtes le meilleur acteur de votre génération. Et je le pense. C'est formidable, hein? Ouais, surtout avec un sujet comme ça. C'est un beau sujet, moi, je trouve. Ouais, bon, là, déjà un peu, ma chérie. Moi, c'était la première fois. On peut quand même aller saluer les gens, non? Non, ça m'emmerde. Mais tu le connais, le type qui a monté ça? C'est un de tes amis? Oui, oui. Écoute, c'était pas si mauvais que ça. On peut au moins faire acte de présence. Non, c'est pas ça. J'ai pas envie de parler, c'est tout. Bon, allez, je m'en vais. Je comprends pas ce que t'as, mon chou. Ce n'est pas un hasard si vous jouez sur une montagne. Ah non? C'est sur une montagne qu'il les a reçus les 10 commandements, Moïse. 10? Exactement. 2 tables. 5-5. La Bible, c'est un code. Il faut faire attention aux chiffres. 666. L'Apocalypse en parle, du nombre 666. 666. La marque de la bête. Les compagnies de cartes de crédit l'utilisent de plus en plus souvent, le code 666. Eh bien. Ah, ben. Le sida, c'est ça? C'est fabriqué en laboratoire aux États-Unis. Ah bon? C'est comme la formule du Coca-Cola classique. Ils ont rajouté des choses dedans. Mais quoi? Faut être conscient. Il a neigé sur Rome. Pardon? Il a neigé sur Rome. Les astronautes le savent que la Lune est creuse. Mais ils peuvent pas parler. C'est évident. Jésus est tellement doux. Tellement positif. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, évidemment. Souvent. Ah bon? Avez-vous été contacté? Pas personnellement, non. Vous avez pas aimé ça? Êtes-vous complètement fou? Quoi? Jésus-Christ, le fils naturel d'un soldat romain. La Vierge Marie, une fille mère. Êtes-vous malade? Dans les évangiles. On préfère dire n'importe quoi aux évangiles. Je le sais. Par expérience. Il y a plein de fascistes qui communient tous les jours. Les communistes qui récitent le sermon sur la montagne. Moi? J'appartiens à une communauté catholique. Ce sanctuaire a un conseil d'administration. Les gens du meilleur monde. Vous voyez le portrait? Mais ça marche. Ils suivent. Mais je veux pas que ça marche! Ce sanctuaire attire 2 millions de visiteurs par année. On n'a pas besoin de publicité. Mais c'est vous qui m'avez demandé! Oh. Vous avez demandé de rafraîchir un peu un texte qui a très bien fonctionné pendant 40 ans. Vous n'avez pas demandé ça! Et vous allez faire quoi? Faut que j'avertisse mes supérieurs. Je peux pas prendre la responsabilité moi-même. C'est trop risqué. Avertissez-les, on verra bien. J'ai bien peur que leur réaction soit pas aussi enthousiaste que celle de vos petits copains. Alors, moi, John Lambert m'a embrassé. Oui, oui, sur la joue, hein. Oh. Il est tellement beau, John Lambert. Hein, il est beau. Il est beau. Ses yeux sont tellement bleus. Ouais. Et moi, il m'a dit que j'avais énormément surpris. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il avait hâte qu'on joue ensemble. Moi, on a trouvé que j'avais une présence très physique. Physique? Très physique. Moi, il faut absolument que je fasse une émission de télévision. J'ai été invité par une animatrice célébrissime. Oui, d'un certain âge. Jalouse. Et notre petit Jésus. Qu'est-ce qu'elles ont dit, ces dames, à notre petit Jésus? Il a l'air sombre, Jésus. On nous en fait une petite. J'espère juste que ça va durer. Et que ça dure ou pas, grosse tête, ce soir, nous, on est heureux. C'est précieux, ça.
Alors, le mot est lancé. Le spectacle de l'été à Montréal, ben, c'est la passion sur la montagne. Et le jeune metteur en scène de l'heure, ben, c'est Daniel Coulombe. Daniel Coulombe, c'est d'abord un premier prix de conservatoire. C'est un jeune autodidacte qui n'a fait aucune des écoles de théâtre. L'un des plus brillants élèves des classes d'interprétation. Mon Dieu, qui a passé sa jeunesse à voyager partout à travers le monde. Qui a toujours été ici, à Montréal, qu'on ne remarquait pas. Et qui est revenu il y a seulement quelques mois. Dans l'underground. Et à qui on a confié ce spectacle, presque par hasard. Qui préparait cette passion depuis plusieurs années. Et qui se révèle la nouvelle personnalité du showbiz montréalais. Sur notre échelle de 1 à 10? 8,5. C'est un spectacle... qui nous questionne profondément. Impliquant. Sans hésiter. J'ai eu les larmes aux yeux du début à la fin. C'est tout. Ce spectacle est un must. Je dois le dire. Eh bien, après la pause publicitaire, nous revenons avec Thérèse Gendron-Frappier, qui a lu pour nous le livre de l'été, Les mémoires de Pierre Elliott Trudeau. À tout de suite. Ça va pour le temps? Oui. Tu fais quelque chose de spécial, toi, ce matin? Non, pourquoi? Ben, je voudrais que tu me rendes un service. J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Où? Je dois passer une audition pour une pub. Tu vas continuer à faire ça? Ouais, c'est la dernière fois. J'ai promis d'y aller. Et puis, je suis à peu près sûre d'avoir le rôle. Puis ça ferait du fric. Je voudrais me louer un appartement. Je veux pas continuer à vivre comme ça au crochet de Constance. Seulement, c'est Jersey qui va réaliser ça. Et il va être là et je veux pas être seule avec lui. C'est quoi comme truc? C'est une campagne pour une nouvelle bière. Ouais. Et comme tu dis, vous avez pas fini de vous minoucher dans mon vin, vous deux? Tiens, on s'en va à la garderie. Bye. Salut Monique. T'as pas des nouvelles? Ah, les voix d'or. Christine. Salut Valérie. On a fait ces petits gargarismes. Salut. Ça va, Marion? Hi, Pete. Still working out? Bonjour, Rachel. Oh, oh, faut pas débronzer, hein. On va devoir en bikini. Je m'attendais pas de voir ici, ma grosse puce. Ah non, pourquoi? Je croyais que t'avais renoncé au monde, que tu te consacrais au théâtre mystique. Je suis d'ailleurs surpris pas de te voir avec une auréole. Ah ouais? Elle en a, ta sœur, des auréoles? Vous êtes aussi venu pour l'audition? Je crois pas que ça va coller. Non. Je suis venu pour la compagnie, c'est tout. Ah oui? Vous circulez toujours à deux. Un peu comme les témoins de Jéhovah. C'est mieux. C'est plus prudent. Bon. On m'écoute. C'est pour une nouvelle bière qui s'appelle Appalache. Appalache, c'est la bière des jeunes, la bière branchée, les voix d'or, ça va être à vous tout à l'heure. Bob, on est pour Gina, s'il te plaît. Je répète. Appalache est une bière branchée, OK? Je veux du beat, de l'énergie, le concept est super dynamique. C'est de se passe dans un théâtre, c'est des jeunes qui veulent devenir des stars. Alors, du groovy, du funky, on commence dans 10 minutes. Merci. Partage ton appalache. Oh, tu veux boire une bière?
si je ne suis pas vache, qui partage mon appalache. Nous sommes jeunes et fiers, nous adorons la guerre, y'a que qui nous attache, on voit que l'appalache. Ah, parle-moi pas des bombes, parle-moi pas des tombes, parle-moi pas du crash, parle-moi d'appalache. Oh, tu ne veux rien savoir, tu ne veux rien prévoir, mais tu veux pas qu'on cache les bouteilles d'appalache. Jeunes et fiers, nous adorons la pierre, y'a rien qui nous attache, on voit que la balache. Appalache, la bière des jeunes. Merci beaucoup. Suivant, Mireille Fontaine et Greg Roberts. Vous, jeune homme, j'ai pas vu vos jambes. Si vous voulez, je pourrais le chanter moi-même. Je veux dire, avec ma voix, là, j'ai fait le conservatoire. Mademoiselle, le buveur de bière moyen a un quotient intellectuel à peu près égal à celui d'un chien savant. En fait, 10 degrés de moins, et ce serait un géranium. Alors, c'est pas avec Maria Callas qu'on va le séduire. Effectivement, vous seriez mieux de miser sur votre bikini plutôt que sur votre voix. OK? OK. Je suis désolée, j'ai pas de bikini. C'était pas sur la feuille de convocation? Je sais, mais j'ai oublié. Ben, enlève tes jeans. Il faut? Impérativement, mon chou. Y a rien comme des jeans ajustés pour cacher les bourrelets de cellulite. Relax, Max. C'est toujours comme ça. Le sweatshirt aussi. J'ai rien en dessous. Fallait prévoir. Fais pas chier, Jersey. Tu sais très bien comment je suis faite. Ça fait tellement longtemps, ma grosse puce. Faudrait peut-être que tu me rafraîchisses la mémoire. C'est pas Jersey le client, hein? C'est eux. Et puis eux, ils voudraient voir. Marie, fais pas ça. C'est pas si grave. Fais pas ça, OK? Je suis habituée. Tu vaux mieux que ça. Qu'est-ce que t'en sais? Viens, on s'en va. Bon, la grande scène intime, vous nous jouerez ça un autre jour. On est ici pour travailler. Alors vous, vous allez vous rasseoir en arrière, et toi, tu nous fais voir tes nichons ou tu t'en vas chez toi, OK? Voulez-vous que je vous en jouer une scène? Bon. Bon, restons cool. Messieurs. Des petites crises d'acteur, j'ai déjà vu ça. C'est un caractère réel, j'en ai de temps en temps sur mes tournages. Vous inquiétez pas, il va se calmer. Non! Bon, on y va. Espèce de fou.
On vous a dit, tu ne te parjureras pas. Or, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui, si c'est oui. Non, si c'est non. Tout ce qui est rajouté relève du mauvais. Malheur à vous, les législateurs, parce que vous chargez le peuple de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez à ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Méfiez-vous des prêtres qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir des salutations sur les places publiques, à occuper les premiers rangs dans les temples et les premiers fauteuils dans les banquets, qui dévorent les héritages des veuves et affectent de longues prières. Ils subiront, ceux-là, une condamnation plus sévère. Celui qui voudra devenir grand parmi vous devra être votre serviteur. Celui qui voudra être le premier parmi vous devra être l'esclave de tous. Ne vous faites jamais appeler rabbin, ou mon révérend père, ou mon seigneur, ou éminence, car vous n'avez qu'un maître qui est dans les cieux, et vous êtes tous frères. À la fin de sa vie, ils étaient très nombreux et très puissants, tous ceux qui avaient hâte de le voir crucifié. Monsieur Colombe. Je m'excuse, monsieur, je suis sergent détective François Bastien de la communauté urbaine de Montréal. Je vous présente mon partenaire, Marcel Brochu. Bonsoir. Bonsoir. On va vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Mais je vais vous lire vos droits. Chris, j'ai encore oublié ça. Sors dans le tien. Monsieur Coulomb, vous êtes soupçonné de... Menaces, assauts, coups, blessures, vandalisme, pour 110 000 $ à peu près. Dès que vous serez rendu au lieu de détention, vous aurez droit de vous prévaloir des services d'un avocat. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve devant le tribunal. Vous devez comprendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'une promesse de faveur, non plus que rien à craindre d'une menace pour vous induire à faire un aveu ou une déclaration. Ça va? Ça va. Est-ce que j'ai le temps de me démaquiller? Oui. Il va falloir suivre les règlements. Je voudrais en profiter pour vous féliciter. J'ai beaucoup aimé le spectacle. C'est des choses qui font réfléchir, quand même. J'aurais aimé savoir la fin, moi. On vient, hein? Ouais. Richard Tremblay. Est-ce qu'il est là, Richard Tremblay? Richard Tremblay. Défaut de comparaître. Numéro 25, Daniel Coulomb. C'est moi. Votre seigneurie, s'il vous plaît. Je suis maître Richard Cardinal. Est-ce que je peux m'entretenir avec le prévenu une seconde? D'accord, on a fait ça rapidement, on en a 60 ce matin. Ah, merci. C'est Mireille qui m'a demandé de venir. Laissez-moi vous représenter. C'est pas nécessaire, je vous remercie. Les accusations sont assez sérieuses. Il pourrait y avoir une mauvaise surprise. J'ai besoin de personne. Vous êtes sûr? Sûr. C'est risqué. Merci, Votre Seigneurie. Alors, est-ce que vous le représentez? Non, Votre Seigneurie. Vous voulez assurer votre défense vous-même? Ah, j'ai pas de défense. Vous savez que vous avez droit à l'aide juridique. Vous êtes bien aimable, mais j'en ai pas besoin. Je plaide coupable.
commencer par vous faire voir la psychologue. Voulez-vous appeler Mme Devillers, s'il vous plaît? Ça va, vous pouvez vous asseoir. Numéro 26, Anthony Freeman. Smith. Ça peut être relativement long, c'est inutile de rester ici. Mon bureau est pas loin. Je vais demander qu'on me prévienne. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à votre travail? Bien. Enfin, je veux dire, le fait d'être obligé de jouer le chemin de la croix sur la montagne, vous trouvez pas ça un peu ridicule, non? Non, c'est un bon sujet. C'est pas très original, bien sûr. Oui, mais... enfin, comme comédien, c'est un emploi un peu minable, non? Jouer Jésus pour un acteur, c'est n'importe quoi, sauf minable. Vous êtes quand même premier prix de conservatoire. Vous aimeriez pas faire une belle carrière, jouer dans les grands théâtres? J'ai été absent longtemps. C'est un peu normal de recommencer au bas de l'échelle. Est-ce que vous êtes révolté par la publicité? Ce qui m'a enragé, c'est la manière dont ces gens-là traitaient les acteurs. En fait, surtout les actrices. J'accompagnais une amie que j'aime beaucoup. Ça vous arrive souvent d'avoir des accès de rage comme ça? Jamais. Rarement. J'ai beaucoup de difficultés à supporter le mépris. Est-ce que vous regrettez le fait d'être né ici? Qu'est-ce que vous voulez dire? Enfin, je sais pas, si vous étiez né à Santa Barbara, en Californie, vous pourriez jouer dans des films à Hollywood. Ou bien si vous étiez né à New York, à Londres... même à Stockholm, vous auriez pu rencontrer Ingmar Bergman. Enfin, ici, il n'y a pas grand-chose, non? Ouais, c'est un inconvénient, c'est sûr. Mais bon, je ne peux pas y faire grand-chose. Et puis, ça aurait pu être pire, j'aurais pu venir au monde au Burkina Faso. Je ne sais pas ce que vous avez fait à notre psychologue, mais elle a l'air de prétendre ici que vous êtes légèrement plus équilibré que la moyenne des juges de cette cour. Je trouve ça très peu flatteur pour la magistrature. Alors, je présume que vous n'avez pas d'argent pour remplacer le matériel électronique que vous avez détruit. Non. Alors, je vais prendre votre sentence en délibéré, et puis on va fixer une date, là, maintenant. Une date à laquelle vous devrez revenir ici sans faute, mais sans faute. Sans faute. Non, je suis avocat, mais je pense que c'est la première fois en 5 ans que je mettais les pieds en cour. Faites quoi, normalement? Presque tous mes clients, en fait, je devrais dire mes amis, sont dans les milieux médiatiques, show business, littérature. Alors, je fais les contrats, la planification fiscale, des investissements financiers. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'au plan de carrière. C'est quoi, ça, un plan de carrière? Ah, c'est quelque chose que je fais, disons, avec quelqu'un qui est encore relativement jeune, mais qui sait pas au juste comment exploiter son talent. Alors, on s'assoit ensemble, puis on essaie de voir ce qu'il veut faire exactement. En fait, on essaie de définir ses rêves. Et ensuite, on établit les étapes pour les réaliser. Ça fonctionne? Je connais une actrice qui est née là-bas, dans les quartiers ouvriers, qui habite maintenant Malibu Beach. Je pourrais vous en nommer d'autres qui sont venus de Shawinigan ou de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, qui ont des hôtels particuliers à Paris. Ou des lofts à New York. Bonjour, Richard. Ça va? Lundi. Sans faute. Pour tout ça, il faut faire quoi? Rien de spécial. Ce que vous aimez. Même jouer le chemin de la croix au sanctuaire? Jésus-Christ est un personnage tout à fait à la mode, mais il faudrait être en studio demain matin pour faire les émissions culturelles du week-end. Sauf une exception, j'ai pas été invité, je pense. Ah, je peux faire 2 ou 3 téléphones, si vous voulez. C'est jamais bien compliqué. Il y a davantage d'espace média que de gens qui ont des choses à dire. J'ai pas grand-chose à dire moi-même, vous savez. C'est pas vraiment essentiel. Vous êtes un très bon acteur. Un acteur a besoin d'un texte. On pourrait vous écrire un canevas. Il y a une manière de dire des insignifiances qui est extrêmement populaire. Pensez à Ronald Reagan. Il y en a d'autres. Dans tous les pays, maintenant, les acteurs sont omniprésents. La télévision, la radio, les magazines. Il n'y a que des acteurs. Partout. Il y a des actrices aussi. Il y a Jane Fonda. À condition qu'elle soit jolie. Mais ça, ça devrait pas t'inquiéter jamais, mon cœur. Oh, il est con, des fois. 17 ans.
Hi, I left a message for you. I'll call you back. Vous avez jamais pensé à publier un livre? Vous voulez dire un roman? Ouais. Ou un livre de souvenirs. Vos voyages ou votre combat contre la drogue, l'alcool. N'importe quoi. Je suis pas écrivain. Ah, j'ai pas dit écrire un livre, j'ai dit publier. Non, des écrivains, ça, les maisons d'édition en ont qui sont disponibles. Talentueux et pauvres. Évidemment. Est-ce que je vous choque? Non. J'essaie juste de vous faire comprendre qu'avec le talent que vous avez, cette ville-là est à vous. Si vous voulez. Bonjour, Julien. Bonjour, mademoiselle, maître cardinal. Julien. Oui. On vous prépare une table, il y en a pour 2 minutes. Je vous sers un petit apéritif. Oui, 3 Virgin Mary. 3 Virgin Mary. Je vous suggère les homards ce midi. Oui, avez-vous essayé les homards des îles de Madeleine cette année? Non. Ils sont sublimes. On va prendre ça. J'aime pas les homards. Prends des crevettes de Matane. Est-ce que ça vous rend malheureux d'être ici? Ici? Pourquoi? Ben, je sais pas. Manger des homards pendant qu'il y a des gens, là, qui mangent des hot dogs ou qui ont faim. Peut-être que si je mangeais ici tous les jours... Non, je vous dis ça parce qu'il y a toujours des organismes de charité, vous savez, genre Oxfam, UNICEF, Médecins sans frontières, qui cherchent des porte-paroles. C'est intéressant parce que ça vous permet de faire du bien tout en vous assurant une visibilité maximum. Ou simplement votre tête sur des pots de vinaigrette comme Paul Newman, c'est génial, ça. Je suis pas gastronome. À Newman non plus, sans doute. Mais c'est dommage, vous auriez pu sortir un livre de recettes. C'est toujours un succès presque assuré, ça. Les autorités du sanctuaire qui ont vu la représentation exigent des modifications considérables. Dites-vous bien que j'ai plaidé votre cause le plus courageusement possible, mais sans beaucoup de succès. Remarquez qu'il n'est pas question de vous censurer. Vous auriez monté la même chose dans un théâtre en ville. Pas de problème. Mais vous êtes ici dans les jardins privés d'un sanctuaire catholique. Ça impose un certain nombre de restrictions. Alors, le compromis que je vous propose, c'est de reprendre l'ancien texte qu'on jouait les années précédentes. Constance le connaît, évidemment. C'est entendu que c'est plus traditionnel comme forme, mais ça vous permettrait de continuer à travailler pendant les prochaines semaines. Le temps d'éclaircir toute la situation. Parce que vous comprenez que maintenant, au moment où on se parle, on ne sait pas encore quand Daniel va revenir. Et même là, ça va causer des problèmes. Alors, on va faire une lecture rapide, là, si vous voulez, juste pour débroussailler un peu. Vas-y, Constance. Voici le Fils de Dieu déchiré par nos plaisirs. Oui, avec un peu d'expression, quand même. Voici le Fils de Dieu, déchiré par nos plaisirs! Constance, s'il te plaît. Style comédie française, ça vous plairait? Non, c'est vrai, je suis là, autant en profiter. Nos péchés écrasent l'agneau tremblant. Est-ce toi, concupiscence? Il y a aussi le method acting, comme à New York. On le fixe par les mains. On le fixe par les pieds. Pieds. Qui fixera mon destin au bois du crucifié, hein? Qui? On peut vous le faire en québécois, si vous préférez. Sacrement, voici l'agneau sans tache, hostie. Il est colloué par nos impurs désirs, tabarnak, ça n'a pas de colis de ciboire de bon sens, ça vierge à bout de crise. Certain, esti. J'ai-tu mon colis de voyage, moi? Moi aussi, tabernacle. Vous aimez pas ça? C'est trop populaire, c'est pas assez international. Japonais. Kabuki. Oh, oh, non! Oh, non! Oh, voici l'agneau! Par nos désirs cloués! Oui.
très drôle, très amusant. Vous avez beaucoup de talent. Je vous souhaite bonne chance. Ailleurs. S'amuser un peu, merde. C'est pas si grave. Pouvez-vous me dire ce que vous êtes venu faire au juste ici? Martin et René travaillaient, ils avaient des emplois. Ils ont tout abandonné. L'autre jeune fille, Mireille, a laissé son amie, elle est complètement brûlée dans la publicité. Moi, je suis dans une situation absolument intenable vis-à-vis mes supérieurs. Constance veut même plus me parler. De quel droit est-ce que vous prenez plaisir à miner la vie des gens autour de vous? J'ai forcé personne. Vous êtes complètement inconscient, c'est ça que vous essayez de me dire? Je vous crois pas. Vous êtes trop intelligent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Êtes-vous déjà venu ici le dimanche, quand c'est rempli? Les avez-vous déjà vus? Les femmes de ménage haïtiennes, les réfugiés guatémaltèques, les vieillards abandonnés. C'est un rassemblement de la misère universelle ici. Ces pauvres gens-là, ils ne veulent pas être informés des dernières découvertes de l'archéologie au Moyen-Orient. Ils veulent se faire dire que le Fils de Dieu les aime et les attend. C'est peut-être pas une raison. Leur vendre des Jésus en plastique de Taïwan et des bouteilles d'huile de Saint-Joseph à 15 $. Le Jésus coûte moins cher qu'un poster de vedette rock. Êtes-vous certain que l'huile bénite est beaucoup moins efficace que la coke à 125 $ le gramme? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se payer une psychanalyse lacanienne. Alors ils viennent ici se faire dire « Allez en paix ». Vos péchés vous sont remis. Ça leur fait du bien. Un peu. Je trouverais ça. C'est ici qu'on touche le fond. La solitude. La maladie. La folie. Laisse-nous jouer un dernier soir. Je peux pas. Ça dépend pas de moi. On a beaucoup travaillé, tu sais. Mais je le sais. À votre âge, j'avais essayé de monter la vie de Galilée au grand séminaire. Pouvez-vous imaginer le scandale? Ils ont fini par vous avoir. C'est normal. Les institutions vivent plus longtemps que les individus. Au point où j'en suis, moi, je pense que ceux qui ont raison, c'est ceux qui vivent heureux. Plus longtemps possible. À condition d'être heureux. Ben, la vie, ça peut pas être juste ça. Attendre la mort le plus confortablement possible. Hey, je suis probablement naïf, mais il faut qu'il y ait autre chose. Écoutez, on est tous là maintenant, il y a des spectateurs qui vont arriver tout à l'heure. On va jouer encore une fois. Je peux pas vous donner d'autorisation. Ben, vous direz que j'avais pas pu les trouver! Qu'il y a un malentendu. Trouvez quelque chose. De quoi t'as peur, Raymond? J'ai peur d'être nommé aumônier d'une maison de retraite en banlieue de Winnipeg. Je ne veux pas passer mes hivers à Winnipeg. Laisse tomber tout ça, puis viens-t'en avec nous. Tous mes amis sont partis. Tous ceux qui étaient au séminaire avec moi. Leur nouvelle vie est encore plus minable que la mienne. Même un mauvais prêtre, c'est encore un prêtre. Si je suis plus ça, je suis plus rien. Tu serais comme moi, comme tout le monde. Je suis infirme. J'ai quitté ma mère à 19 ans pour entrer dans la communauté. Je sais pas comment vivre. Et apprendre. Je suis trop vieux.
trop vieux pour me faire l'amour. Si tu pars, c'est ma vie qui s'en va. C'est toi qui veux que je m'en aille! Voulez-vous une pointe? Merci. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous êtes sûr que vous en voulez pas un morceau? Non, je te remercie. Ils vous ont pas averti? De quoi? Ben, Père Leclerc, vous a rien dit? On l'a pas vu. Ah, ben, c'est drôle, ça. Pourquoi? Oh, pas rien. Pas rien. Non, mais on pourrait jouer dans un parc. On n'obtiendra jamais l'autorisation. Il n'y a pas des jardins quelque part? C'est toujours privé. Oh, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. On verra. Non, mais ça va pas. Vous allez pas nous faire le coup de la déprime, là? Oh! Vous savez pas ce que ça représente, vous, tout ça? Quand vous êtes venu me chercher, moi, je montrais mon cul pour faire vendre de la lessive ou de la bière. Et tout le monde était persuadé, y compris et surtout le mec avec qui j'étais, que c'était ce que j'avais de mieux à faire, étant donné la qualité du cul en question. Le pire, c'est que moi aussi, j'en étais à moitié convaincue. C'est vous qui m'avez sauvé de là. Vous n'avez pas le droit de me lâcher. Vous savez pas comment j'étais. Mon idée du paradis à moi, c'était la plage de Bora Bora. Des mecs qui portaient pas de Rolex ou qui roulaient pas en BMW, je rencontrais jamais. Je pensais pas que ça existait encore, un homme qui voudrait pas d'abord me sauter. Ben justement, je voulais te parler de ce sujet-là. Non, mais c'est vrai, c'est précieux ce qu'on a. Faut continuer. All right. All right. All right. All right. Écoutez, je viens de vérifier auprès des autorités, là, puis le chemin de la Croix est annulé indéfiniment. Il a dû être prévenu, je comprends pas ça. Il a dû y avoir une erreur. Et les spectateurs sont déjà là. Ben, on va leur dire de s'en tourner chez eux, c'est tout. Ah, c'est fini. Vous pouvez enlever vos costumes. Là, n'est pas question. On était engagé pour jouer, on va jouer. Ouais, téléphone au supérieur, il va te le dire. Je le connais pas, moi, le supérieur, je l'ai jamais vu. Ben, je travaille pour lui, moi. Moi aussi. Tu as quelque chose à me dire qu'il vient de me le dire lui-même. Laisse-nous passer. Hey, attendez une seconde. Pousse-toi. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas chez vous, ici. Oh, dites-moi. Et après tout cela, le condamné attendait la mort. Songez que nous sommes au Moyen-Orient. Une chaleur étouffante. Le soleil, les mouches. Mesdames et messieurs, on est obligé d'interrompre la représentation pour des raisons de sécurité. Il nous reste 20 minutes, je les fous, donne-nous une chance, là. Je vais vous demander de rester très calme et de vous diriger dans cette direction-là. Vous pouvez pas faire ça! Faites pas attention, on va continuer à jouer! Éloignez-vous pas! Taisez-vous! Laissez-les finir! Écoutez, madame, j'ai pas de raison à vous donner. On vous a dit que c'était pour des questions de sécurité. On ferait pas ça si on n'avait pas des raisons sérieuses. Ben oui, mais on veut savoir la fin. Mais tout le monde la sait, la fin, madame. Il meurt, ça accroît, puis après, il ressuscite. Voyons donc, il n'y a pas de mystère là-dedans. Vous êtes pas bien brillante, vous. Crétin!
lâchez-moi! Pierre, fais pas le fou. Hey, touchez-moi pas! Connard! Oh! C'était un avertissement, ça. Juste un avertissement. Vous avez rejoint le service d'urgence de la communauté urbaine de Montréal. Heureusement, nos lignes sont présentes. L'hôpital général, hein? C'est juste à côté. Non, général, on peut pas. L'urgence est remplie. Ils viennent de nous appeler. Il faut descendre à Saint-Marc. C'est-tu correct, ça? J'ai porté ses affaires. Non, juste le droit à une personne avec lui. Hein. J'ai pas d'argent, j'ai pas de bagnole. Merde! Bon, allez-y. C'est pas nécessaire qu'on y aille. Vous allez nous téléphoner? Oui, oui. OK, c'est parti. Te souviens-tu, j'avais eu un pressentiment. Quand j'avais dit que c'était dangereux de jouer ça. Allô, Claire. Wow, tu l'as ramassé où, celui-là? Non, c'est un acteur, ça, c'est du maquillage, ça. Ah bon, il est sur le banc, là. Non, je peux pas le bouger, sa tête, c'est trop dangereux. Reste assis bien, d'abord. Pas de couverte, rien, il est tout nu en dessous, lui-là. Non, j'en ai pas, j'ai plus rien. Bon, on va aller le voir. OK, c'est bon. On va vous laisser la civière et la couverte, OK? On va s'en trouver l'autre ailleurs. OK, merci. Merci. Est-ce qu'il y a un médecin qui va venir? Lui, est-ce que sa carte d'assurance santé? Je sais pas. Bon, ben, en attendant, elle a l'admission. Où ça? Deuxième porte à gauche. Pardon, madame, c'est pour une urgence. Prenez un numéro, attendez votre tour, il y a tout ce monde-là avant vous. Est-ce qu'il y a déjà eu dans votre famille des cas de maladie mentale? Parlez plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Ça va mieux. Tu devrais peut-être rester allongé, non? J'ai juste mal à la tête. Martin, René, ils sont pas là. Non. Ils ont pas pu monter dans l'ambulance. Ça va mieux, là? Oui, ça va beaucoup mieux. Parfait. Ça. La vie est difficile à supporter, hein?
On manque de bonheur. C'est pour ça. C'est la cause. Les grands événements, même le théâtre, tout ça se fait par manque de bonheur. Les sources de la vie sont cachées. Maman, mon père m'a abandonné. On est là, nous. T'es pas tout seul. Les grands édifices comme ici. Les grandes constructions. Tout ça va être détruit. Un jour. L'abomination de la désolation. Si vous êtes dans les plaines, il faut vous enfuir dans les montagnes. Si vous êtes sur la terrasse, rentrez pas dans la maison, prendre vos affaires. Si vous êtes sur la route, retournez pas chez vous. Plaignez celles qui seront enceintes ces jours-là. Priez pour que ça tombe pas en hiver. Si quelqu'un vous dit, le Sauveur est ici. Le Sauveur est là, croyez-le pas, hein? Croyez-le pas! Des faux sauveurs. Des faux prophètes. Les puissances des cieux ébranlées! Ni le jour, ni l'heure. Vous serez surpris. Le jugement. Veillez. Mon frère! Ils l'ont regardé à cinéma. Mais rien fait, je vais pas retourner là. Non, on va aller au Jewish si on peut rentrer, OK? Vital signs. Phone 58 over 96. Heart rate 56. Okay, he's not breathing too well already. Bring me the ambu bag. Okay, let's bring him to square 10. Prepare for intubation.
Let's go, let's move. Why don't you go sit over there, girls? There's some coffee and some cookies. We have to wait now. I'll be with you in a second, guys. Bonne chance. Merci pour tout. C'est correct. On est là pour aider quand on peut. Page neurosurgery, x-rays, anesthesia, and inhalation therapy. Stat. Dr. Klein, neurosurgery. Dr. Klein. Dr. Gold, anesthesia. Dr. Gold. X-ray, inhalation therapy. 2-3 emergency. 2-3 emergency. Have to know, what's your relationship with him? He's a friend. Does he have a family, do you know? I don't know. I don't think so. He's alone. He's living with us. How is he? We lost him. He came a half an hour too late. I'm sorry. We've put him on a life support system, but his brain's gone. Can we see him? Ask you something. What? Give us his body. He's young, he's healthy, and he's got type O blood. That's a godsend. It's okay. You'll have to sign some papers and stuff. Okay. It's like he's sleeping. Yes. But he can't ever wake up again. Disconnect your ventilator. Another debate. Hold it. Next. I'll give you more to take. Monitor up. Okay, let's go. Universitaire de Sherbrooke, dans la cité universitaire. Oui, je sais. C'est eux qui vont vous payer. Entendu, c'est d'accord.
je m'excuse. Je sais que c'est pas le moment, là, mais j'aurais juste une petite question. C'est parce qu'on dit qu'il a voyagé beaucoup. Est-ce que vous savez où il est allé exactement? Je sais pas. Il m'a déjà parlé des Indes. Du Népal. Formidable. Formidable. C'est une recherche de spiritualité, évidemment. C'est ça. Bon, vous allez voir. Je vais faire quelque chose de très... très émouvant. Mr. Rigby, you have a beautiful new 30-year-old heart. What do you say? Oh, God, I'm so happy. L'idée, ce serait de former une compagnie théâtrale en mémoire de lui. Le théâtre Daniel Coulombe. Évidemment, il faudrait constituer un organisme légal avec un président et ainsi de suite. Je sais pas, mais Martin, tu pourrais être le premier président, par exemple. C'est sûr que ce serait une façon de continuer. Moi, ça m'intéresserait, mais à condition d'être fidèle au genre de travail qu'il voulait faire. Oui. Puis à condition que ça ne devienne pas un théâtre traditionnel et commercial. Mais ça, c'est bien évident. Personnellement, j'ai toujours été convaincu que la rentabilité excluait pas la recherche. Au contraire. Excusez-moi. La louche. La vie de la mia mano. Si. Quante dita? Quattro. Due. Va bene. Grazie.